Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, j'avoue, je connaissais pas cette... Ah, mais c'est pratique pour faire les wishlists. Ah ouais, mais carrément. Ah, mais c'est Carrément. pratique, ça. Mais attendez, mais je savais pas, moi. Pourquoi personne qui me l'a jamais dit? Mais what? On te les connaît par cœur, Otto. Ok, du coup, bah ouais, Mei Wong, wishlist number one, Sagar. Ouais. Puis on a évidemment, au niveau des LD, il l'a pas montré, mais il y a Véronica Mgoki. Après, il y a une deuxième tier. Un deuxième tier, c'est débloque un combo de golem, c'est Vivachel ou Maximilian. Ouais. Ensuite, on a des mobs cool à voir, Pra, Gany, Martina que j'ai pas, Iris que je n'ai pas non plus, Bétoni que j'ai, Laura cool à voir. Laura, Nikki, Anne, Non, Shan, cool à voir. Hein. Cool à... c'est cool à voir. C'est en mode si Ça... tu me les drops, bah bénef. Si je les ai pas, c'est pas grave quoi. C'est pas, on va dire, c'est pas dans mes top prio LD que je veux avoir Oh. quoi. Ouais, En donc termes de préférence de mob. si je te drop le meilleur mob du jeu, ouais, c'est bien, mais t'aurais pu faire un effort, quoi, Tito, quand même. C'est Non, quand même du coup, cool, non, hein, j'en ferais quelque je serais chose, ultra mais. content. Ah, voilà, Hein. oui. Ultra content, mais. Et On bon, va t'as dire que compris. c'est mon wanted à TM, genre. Mais c'est sûr que si je l'ai, bah. C'est un tout droit, hein. Ok. Bon, du coup, attends. Par contre, un truc. Vlan Transcendant Sortie, est-ce qu'on le fait en premier ou pas pour craquer la béné et avoir deux mobs qu'on n'a pas ou pas? En gros, je t'explique. Déjà, il y a pas mal de vélins. On a 700 vélins mystiques. On a une trentaine d'élémentaires. On a combien? On a 30 LD. 6 30 légendaires, LD, 10 attributs. 10 ouais. Le trans et 73 vélins des 10 ans. Le vélin transcendant santé qui, en gros, si on pète la béné dedans, on a deux mobs qu'on n'a pas. Et on choisit un des deux. Donc, soit C'est il y vrai, a tu une peux team qui faire. fait. En vrai, tu peux faire ça, Il ouais, y a let's une go. team, y a une team qui fait ça. Genre pour assurer un peu plus le coup d'avoir un mob que t'as pas. Sinon, tu prends juste le mob qui te donne et tu t'invoques les vélins mystiques et tu pètes la béné Non, bah du coup, pète la béné dedans. maintenant, comme ça, au moins, t'as le choix entre Sagar et. Parce que le truc, c'est que j'ai pris Adriana dans l'event. Donc, à la limite, tu vois, Adriana, je pourrais la rééchanger. Ouais. Si je la drop plus tard. Là, au moins, s'il y a Sagar ou Mei Wong, déjà, ça va être l'un des deux, entre les deux, quoi. Ok, bah tu sais quoi, on va le faire maintenant. J'invoque une cut. Et j'invoque la béné. Là, j'invoque, c'est parti. Et je regarde pas, je regarde pas. Mais par contre, je regarde pas, mais je peux te donner un seul indice. Ok. Ou peut-être que je peux te donner des indices. Mais il y a une chose dont je suis sûr. C'est que c'est deux mobs que tu n'as pas. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors, du coup, nous avons quoi en premier? Alors, Ok. à C'est quoi droite. ça, les gars, pour vous? On est spoil un peu, non? Mais où? Non, c'est pas Mais où, ça? C'est qui? Oh, ça met où ça? Suis pas sûr. Singe, ouais, Singe? singe. Mais du Ouais? coup, ouais, singe. Après, j'ai pas le haut, donc ça peut être le haut. Est-ce que là il y a un petit bracelet haut Petit là? bleu, Un c'est peu pour haut ça. là? Ah, Y c'est a moyen ça! que ce soit Shiro, du coup, ouais. Ouais, Shiro. Oh merde! Horrible! Ok, bah après tu l'avais pas hein? Et là le Là, je l'ai pas, deuxième. hein, du coup, c'est Ok, mort. on Après, va au c'est pas bout dans de. les deux que je veux, mais. C'est vraiment, c'est peut-être un Ok. Sagar. Oh là, des ailes. Ah, Mephisto. Mephisto, ouais, c'est Ah, ouais, Mephisto. c'est pas mal, Ok. Mephisto, parce que j'ai pas d'anti-revive. Même si c'est Mephisto, sûr. Non, Jamir, je l'ai déjà. Mephisto, tu veux? Ou le Bah, Shivu, Shivu? j'ai pas mon serveur plus que ça. Mephisto, il peut être beaucoup plus utile en siège, et même de manière globale, je pense. Moi, je suis d'accord. Mais D'accord. Shivu, en vrai, je veux pas le jouer, donc Non. vas-y, go Mephisto. Hein. Allez, c'est parti. Bon bah new les gars, GG pour le prédit. Non, je... Ok. D'ailleurs, je peux vous mettre un petit peu aux couleurs pour ceux qui connaissent pas le compte d'Otowin, puisque bah c'est vrai qu'on l'a pas présenté, mais c'est un compte qui a déjà quelques LD. Hein. On a Raoul, hein, incroyable, on est heureux. Neftis, Duman, Kiara. On a Tianlang, Oberon, Yonang, Pontos, Jagger. Du coup, on a un compte plutôt fourni déjà de base. Voilà. Jäger le dernier. Jäger le dernier, il fait plaise. Moi j'aime encore bien en vrai, c'est pas ça ma terre, mais j'aime bien le mob. T'as En la vrai de mission vrai. du dixième là, dans les mains. Pardon? Dis, t'as la mission du dixième dans les mains. Là, ça me fera 10 LD si tu t'en Ah drop un. oui. Ok. Bon, on va tenter, hein. Allez. Et est-ce qu'on met les rate-up ou pas pour la semaine? Il manque encore deux hackers LM, donc ouais. Allez, c'est Ouais. parti. Je Ok, crois que t'as j'ai que celle dès le premier vélin. le. Ça va pas avoir fou, ça va pas être fou fou ce que j'ai. Je sais plus lequel j'ai, mais. C'est plus... Donc t'as repéré un hacker et tu sais plus lequel c'était. Ouais, mais c'est pas Ah! le meilleur.
C'est du coup le eau ou le vent, quoi, c'est pas le feu. Non, pas le feu, je crois pas. D'ailleurs... Non, c'est pas le... Ouais. Le vent, je crois que c'est. C'est le vent. En vrai, moi, le vent, je trouve qu'il ouais, est... Je... Il est fun à jouer, quand même. Bah, il... j'étais surpris parce qu'il était pas mal sorti dimanche en TFRN. Et parce que j'ai rush et j'ai fait... Je sais plus, G1 ou P3. Et j'ai pas mal de hackers vent en face. Magnifique. Mais moi, à cœur vent, je trouve que ça, il y a une tech où tu peux jouer genre en siège ou en arène. J'aime bien ouais, le mode. Ouais, en siège, il y a grand moyen. Ouais, au final. Et là, a priori, ils ont modifié les IA en plus des mobs en siège. Ouais, ça, c'est pas mal, ouais. Ça, d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus, ma vie siège, où je retesterai les IA parce que. Il y en a une qui sortira à midi où on a un petit peu test. Et d'ailleurs, Moore, je pense qu'en siège, à moins que ça devienne pas mal. Parce que l'IA est plutôt pas mal. Moore, Neftis, Etna, bah, tout ça. Etna, Eshir, tout ça aussi. Selon ouais, bah, Eshir, c'était déjà très méta de base. Eshir, pardon, Vigor. Vigor, si tu mets en Swift ou en Vio, j'ai pas le même sort, a priori. Le coup, la Tower, tu penses qu'il a. Mais Tower, il l'a déjà, je pense, non il l'a déjà Tower, ouais. Par contre, Rakan, je l'ai pas. Rakan, tu l'as pas. Ouais, c'est pas mal, on siège en vrai, c'est jouable. Ouais, ça peut être pas mal du tout. Et d'ailleurs, moi j'ai invoqué mon transcendance antique hier, évidemment, j'avais un petit coupon Huawei qui traînait, je vous jure que j'ai pas mis 1€ de ma poche, j'avais un petit coupon Huawei qui traînait de ma poche, je me justifie auprès de vous mon chat, je suis free to play, je l'ai dit, je ne mens pas, c'est la vérité. Et j'ai eu le hacker O. Du coup, déçu, parce que c'est pas lui que je voulais. J'avoue que le hacker O, il a un petit potentiel, tu sais, mais il lui faut un petit buff, je pense. Mais c'est surtout que sur mon compte, bah, j'ai déjà des mobs plus intéressants à jouer que lui. Genre au hasard, les mages, Yana, puis t'as les robots, tout ça. Bref, j'ai mieux à jouer. Et du coup, bah, moi, ce que je voulais évidemment, c'était le feu. Parce que le feu, bah, j'aurais pu faire des combos avec Eleanor, qui aurait pu être fun. Elenoa, pardon. Et le feu, c'est lequel? C'est celui qui enlève des pourcentages de vie, c'est ça? C'est ça, ouais. Et qui me posait des buffs avec le bas de tour de CD. Et sinon. Panduman, ouais, Panduman, mais. Genre un mob qui met des breakdev, tout ça, et qui est bien avec un gameplay. Jouer avec un bruiser à côté, ou bien même dans le gameplay Egang Layla, en vrai ça aurait pu être joué, mais bon, j'aurais pas fait. Sinon, j'aurais bien voulu le vent justement pour tester un peu en arène et en siège, mais on a eu le haut, du coup, pas de chance. Pas de chance. La légende du titre free to play. Non, par contre, vraiment, premier degré, les gars, moi je me calme maintenant avec la thune que je mets dans le jeu, parce que j'ai plus besoin de mettre autant de thunes que ça dans le jeu, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et voilà. Et puis j'ai envie d'investir dans d'autres projets que mettre des sous dans ce manoir. Du coup, je mets un petit peu moins de thunes, j'achète les cotis. Et c'est très bien comme ça, en fait. Ça me suffit amplement. Après, voilà. Je vais rester que sur les cotis, je pense. Ouais. Mais je pense que les cotis, c'est déjà très très bien. Hein. Genre, se dire qu'entre guillemets, on veut être free to play et mettre 100 balles dans un jeu tous les mois, on va dire qu'on paye la licence, tu vois. Voilà. On paye la licence, on paye l'abonnement WoW. Et voilà, quoi. Bon, un petit nat 5, là, ça se fait attendre. Tu es à celle, ça arrive, t'inquiète. 200, bon, ça va bien, encore que 200. Doublon à cœur vent, GG. Oh, rip, Barox. Terrible, ça. Je vais être vérif, j'ai plus de drop. La feu, le plus drôle, c'est que j'ai pas de guild. Ah, bah, ça va, t'as fait le plus dur, non? Dropper un mob. Trouver une guild, ça va assez vite. Sur mon Discord, tu veux, il y a plein de guilds qui recrutent. La cœur vent, tu penses qu'il est jouable même en arène siège? Bah, je pense que en fait, c'est un mob niche qui peut être joué dans certains cas, ouais. Tu sais, genre, imagine. Enfin, je pense, tu vois, il y a des angles où, par exemple, tu joues en arène contre un mec qui joue Zerath, où tu sais qu'il va faire un skill 3 coûte que coûte. Tu vois, ça peut être fun, quoi. Tu renvoies les dégâts, tu one-shot le Zerath, et derrière, tu prends des mobs qui tankent ou quoi. Je sais pas, je me dis, il y a des angles où tu peux cook des trucs avec le hacker vent. Et c'est pour ça que j'aime bien, s'il a un kit assez unique, du coup. C'est pas parce que le mob est fort et que je vois un potentiel au mob, c'est juste que je me dis que. Là, comme il a un kit unique, potentiellement il y a des cas de figure où ça peut être fun et ça peut fonctionner. C'est juste pour ça que j'aurais envie de l'avoir. Et que j'aurais skill up. Ouais, et j'aurais peut-être regretté environ une heure après l'avoir skill up. La classique. Tu vis de Twitch ou tu travailles à côté? Non, pour l'instant je fais que du Twitch. Bah, en gros, ce qui me fait vivre, c'est pas Twitch. En fait, Twitch c'est une vitrine, en gros, où derrière, bah, c'est surtout via des services YouTube, Huawei. C'est l'accumulation de plein de petits revenus que j'ai à gauche à droite qui fait que j'arrive à m'en sortir.
mes revenus et puis les petites OP. Hein. Mais après, mes revenus sont pas faramineux. Honnêtement, j'aurais vachement meilleur à taffer, à faire autre chose. C'est juste que pour l'instant, je kiffe encore bien ce que je fais. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, je songe un petit peu à reprendre éventuellement un mi-temps à côté, quelque part, quelque chose, pour justement assurer quand même des revenus, parce que bah, mes revenus sont, comme je l'ai dit, un peu maigres. Donc voilà. Donc pour l'instant, je suis en train de réfléchir un peu à mon avenir à ce niveau-là, c'est vrai. Et du coup, au pire, tu vois, imagine, genre, je travaille, je prends même un temps plein. Je pense pas que j'arrêterai ce Modern Warfare ou de stream, mais je streamerai beaucoup moins, tu vois. Et je ferai moins de vidéos YouTube, tout ça, évidemment. Oh, ok, premier Nat 5. Mais je pense que tu l'avais déjà. Je sais oui. Pas encore. Si je l'ai déjà, ouais. C'est fou d'LD, hein, du coup. Ok, LD, ça me parle. Ouais. Ça, de toute façon, ça va être quasiment tous parle. Les doublons, ça va être tout fou LD, sauf Adriana, du coup, pour le switcher dans l'event. Et après, le reste, Léo, à la limite, tu peux garder. Le reste, ça part en food, hein, je pense. Yo, Pitou, ça va quoi? Merci beaucoup pour ton raid. J'étais un petit peu sur ton stream ce matin, en mode lurk, tranquille. Je regardais un petit peu analyser les mobs, tout ça. Je te voyais un petit peu parler des nerfs, tout ça. Puis au moment où t'arrives vers Anne, t'es là en mode... Ouais, Anne, je sais pas trop, son break def, il est pas fiable, il fait pas trop de dégâts, là. Ok, ça valorise CLD, c'est bon, c'est biaisé. Allez, next. Comment tu vas? T'es bien de la mise en RT ou pas? Et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je plaisante pas. J'ai dit qu'il méritait un mec, je sais, je rigole. C'est bon, j'achète des VM avec les cristaux antiques. Des VM, non. Non, je crois pas à Toto, en vrai. Je pense pas que ça vaille le coup. En vrai, c'est une ressource précieuse. Autant les jeter dans des LD et au moins tenter d'avoir un truc vraiment cool, tu vois. Bah, saison, c'est LD ou réap. Hein. Ouais, LD réap. À la limite, si vraiment t'es mal niveau diablement, mais bon, c'est même pas rentable encore. Et en plus, vu tous les events qu'il y a en ce moment... Ça monte vite les Diablo Moon. En fait, moi, ce que je pensais, et tout, comme éventuellement nerf que tu pouvais faire sur ce mob-là, c'est nerf en fait le multi. Soit tu nerfs le multi, soit tu diminues un peu le coefficient du mob. En fait, en gros, ce qui cause problème avec le Han, c'est le coefficient. Le coefficient combo skill 3, skill 2 est un peu trop insane. Ouais, c'est peut-être ça qu'il faudrait diminuer, tu vois. Genre, tu diminues un petit peu le coefficient du skill 3. Limite, tu augmentes sa fiabilité de son pose break def, tu vois, pour que ses dégâts soient fiables. Mais tu diminues un peu le coefficient du skill 3, tu vois. Et genre, limite, tu mets du 100% sur la pose du break def, et du coup, ça contrebalance pas, ça nerf quand même un peu les dégâts, mais c'est plus fiable. Je sais pas. Parce que pour moi, le problème, c'est ça, c'est que si tu nerfs son coefficient sans augmenter ses raids de sa pose de break def, le mob peut vraiment faire des énormes flops. Or, ici, actuellement, les coefficients du mob sont tellement insane que même si tu foires le break def, bah, le mob a quand même calé des gros dégâts, quoi, entre le skill 3 et le skill 2. Donc je pense que la tech, c'est limite, c'est ça. Juste, tu diminues pas le nombre de hits, tu diminues pas les multi-hits de façon générale, tu diminues juste son coefficient, son dégât, son skill 3. Et peut-être que... Il y a aussi la tech de rajouter un tour de CD sur le skill 3 quand même aussi. Parce que le CD de skill 3, vu que ça cycle, c'est peut-être un peu court. Tu vois? Genre, le mob qui fait skill 3, skill 2, skill 1 et derrière a déjà son skill 3. C'est un peu insane quand même. Donc peut-être que ce serait aussi pas mauvais de, à la rigueur, plutôt rajouter un tour de CD sur son skill 3, quoi. Parce que t'as quand même un skill 2 qui est assez intéressant, qui a deux tours de CD, et le skill 3, trois tours de CD, qui cycle, c'est chaud quand même. J'ai chopé Raoul dans les level 1 des 10 ans, je sais pas quoi en penser. T'inquiète, je l'ai, y a rien à en faire. Ouais, c'est un bon mob qui garde le storage. Après, en siège, en défense siège, et à des petits angles, peut-être à gauche, à droite. Peut-être avec du Byung-Chul ou quoi. Plus en off, à la limite, mais. En off, ouais, je sais pas. J'avoue, je me pose plus trop la question sur Raoul si c'est bien ou pas. J'ai l'impression ouais, que c'est. Bon, moi, est-ce qu'on peut avoir un autre Natsak ou pas? On avait combien de vélins invoqués? 700, truc comme ça? 715, je crois. Un truc comme ça. On est un peu en dessous des raids pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, on va le faire. Je préfère être un peu en dessous des raids maintenant et puis plus après, quoi. Ouais, je te comprends. Par contre, vu qu'il y a beaucoup de. Enfin, beaucoup. Il y a quelques 5 nat LD. Si jamais, faudrait regarder de quoi faire un doublon. Si jamais. Faire une béné. Ah, tu veux une béné? Bah, si, imaginons que je fais une bêtise, mais c'est du dupe Neftis ou dupe. Ouais, bien sûr. Comme ça, je préfère garder. T'inquiète. On va garder pour le dernier moment les dupes. Si à la fin il n'y a plus rien, on met tout en LD, mais.
Oh! Oh bah, je suis jaloux. Ah bah non, mais tu l'avais déjà! Oh merde, t'as eu celui que t'avais? Ah bah c'est le feu que j'ai, ok. Oh bah super, du coup ça va du ou quoi? Oh merde! Ah bah c'est le feu que j'ai. Ok, je pensais que c'était le vent, mais non, c'est le feu du coup. Oh bah deck du coup. Merde! Bah du coup, la prédit est toujours pas validée, hein. Oh merde! La prédit est diffusée là, pour rien, honnêtement. C'est pas la plus simple. Ah bah sorry du coup. Là je pensais que c'était le vent, je sais pas pourquoi. Bah ouais, moi tu m'avais call que c'était le vent, du coup je me suis dit bah si je te drop le feu c'est bien, bah du coup je sais hein, j'aurais été dire. Ouais bah là on aurait pu enlever l'air, ça aurait été pas mal. La Valkyrie Dark est sympa plus au rework. En vrai la Valkyrie Dark elle est bien hein. Moi je trouve que ça va bon mob, bon elle s'est pas fait rework, t'exagères, mais... Moi je trouve que la Valkyrie Dark elle a des dégâts vraiment décents sur le coup, ça va bon mob, j'aime bien. C'est normal toutes ces pubs Tito? Non. Bah après, si t'es pas sub, c'est normal que t'aies des pubs, hein. Voilà, hein. C'est Twitch, hein. Yo, Arisita, merci pour le follow, welcome, ça va ou quoi, tranquille? Bon, est-ce qu'on pourrait avoir Anonat 5? Si on a Anonat 5, au moins on valide la prédit. Très bien, ouais. Un petit Mei Wang, là, ça serait cool. Ouais, Mei Wang, il ferait rêver, hein. Surtout que moi je pars sur du Moore Neftis en première rota, Narche, tel. Ouais. Tel Mei Wang, c'est fort. Hein. Surtout contre les Juno, Veramos et compagnie là. C'est tout. C'est pas normal. Ouais, c'est bizarre, c'est un bug, je pense. Bon, du coup. Est-ce qu'on pourrait avoir. En vrai, par contre, c'est vrai que comme il manque peu de mobs, c'est compliqué d'avoir un nouveau mob, mais bon. Ouais, c'est sûr. On peut toujours espérer. Et c'est vrai que sur ton compte, vu que tu pars beaucoup sur de la Neftis, les counters, bah en gros, si tu contestes pas le premier tour, la Marsha, tu la joues pas. Et du coup, bah si tu dois te coucher en T2 en dernière rota, bah le Mei Wang, c'est souvent un pick que tu vas prendre, quoi. Ouais, après, là, dernièrement, je fais plus du Mureshir en first pick. À tout. Ça se passe bien parce que bah, le Shir, il est quand même à plus de 120 en TCC. Ouais. Et pas mal, hein. 30 HP, donc il arrache 30 HP. Donc il arrache bien, il fait du 5k sur Bank Def, quoi. Bank Def de Neftis, c'est mon rappel, hein. En fait, j'aime bien machin avec Neftis aussi, par contre. Ouf, parce que t'absorbes 100% ATB, c'est pas mal. Et genre contre les Juno, t'as runé de machin ou pas? Genre une fat machin à 100% crit. J'ai machin, elle est pas 100% crit, j'ai pas encore les runes pour. même en Blade. Je la mets en Nemesis, je préfère. Ah. Bon, quitte à avoir moins de TC. Ah ouais, parce que moi, ce que j'aime bien du coup, c'est Tessarion. Ah bon? Ah, moi, j'aime pas trop Tessarion. Assez offensif, T1, il y a soit Viromos, soit Juno qui s'en rend. Ah ouais? Mais tu pourrais faire pareil avec Masha? Bah, Masha, je le joue aussi. Et en fait, généralement, je fais Mour et Chien. D'ailleurs, je fais Neftis Masha par exemple. Alors que si en face ça prend du Juno, Viromos et compagnie, et à la fin je lâche un Tessarion et puis à fun quoi. Et puis comme de toute façon généralement les Juno elles sont pas en will, bah je pars sur un S2 même s'il y a que elle qui prend les trucs et puis je la sors quoi d'office. Ok. Moi je me dis que Masha c'est un peu plus tanky que Tessarion. Ouais. Le fait que t'aies deux vies ouais déjà. Après je m'en sors pas si mal parce que là je suis G1 ATM là pour l'instant et bah le but ça va être de safe hein, cette saison. Tu veux safe un G1 cette saison? Ouais bah j'ai pas encore safe le G1. Ah. Malheureusement la saison dernière j'ai un peu hint et j'étais safe le mardi, je me suis dit les prédits étaient hautes, je me suis dit je joue et puis bah c'était un peu la dégringolade quoi. Ah ouais. Parce qu'il y a pas mal de duels, de choses comme ça qui... Ouais de toute façon il faut safe le rang avant la fin de la saison. Si tu safe un peu trop tard, malheureusement, si tu veux te safe trop tard, en général, tu vas commencer à taper que des mecs qui tryhard, qui commencent à tryhard à 3 semaines de la fin, des mecs qui jouent l'aura. Enfin, moi, j'ai été carrément témoin de ça. Hein, genre, fin de saison de RTA, genre, je me tapais 15 games de l'aura tous les jours pour essayer de monter dans le top ladder. On a quand même réussi à terminer top 38, hein, ce qui est pas mal. Mais j'avoue, jouer contre des l'aura qui est mon. En fait, j'ai joué que contre des gameplays qui sont mon Nemesis, quoi. Des gameplays Laura, Oliver, Bergil, il n'y avait que ça dans le ladder et c'est les gameplays les plus difficiles à battre avec mon compte. Et Bergil quoi? Dis-moi Bergil, je suis pas embêté effectivement. Ah ouais, ça t'embête pas Bergil?
GTL, donc forcément. Ah bah oui, ah oui, j'avoue. Quand t'as Tianlang, Bergil, tu les défonces, hein. C'est trop fort contre Bergil. Ah bah oui, il donne trop de tours, il prend plus de tours que lui. Ouais, c'est beaucoup trop fort. Ouais. Mais je commence à voir les angles pour contrer Bergil. J'ai l'impression que pour contrer Bergil, Oliver par exemple, c'est souvent un force ban du coup pour eux. Parce que j'ai l'impression que les joueurs de Bergil détestent Oliver. Ça contrôle trop son ATB. Donc j'ai l'impression que je vais partir souvent sur Oliver. Bon, toi t'as Tianlang, du coup tu vas pas le faire. Mais et derrière, du coup, faire une draft rodée pour les gérer, quoi, puisque l'Oliver va se faire ban quasiment tout le temps. Donc je commence un petit peu à Cook pour voir comment contrer ces joueurs de Bergil. Malheureusement, c'est qu'en général, il first pick le Oliver. C'est et c'est là que c'est compliqué, ouais. Méduduse, oh, c'est auto. Bah oui, c'est auto. C'est auto. Ouais, c'est lui, Méduduse. On est en train de le summon et bah, il est en vocal avec nous. Hein. TNFT, c'est sûr, c'est pas les mêmes problèmes que tout le monde. Ah, non, bah, ça, bah non. C'est pas les mêmes problèmes que tout le monde. De toute façon. Surtout Kiara ou Béron aussi derrière. Ouais, quand t'es mec sur des bruiseurs. Ouais, ou Antilio. Mais bah, c'est clair que. Antilio pour l'instant, en bruiseur, j'ai du mal un peu à le sortir. Je préfère partir sur des trucs plus simples, genre du CP ou des choses comme ça, quand il n'y a pas trop de contest. Mais ouais, non, faut que je m'améliore encore sur les drafts. Hein. Et après, là, si tu me débloques sa gare, la Yon Hong va avoir une carrière là, parce que bon, pour ça, je ne joue pas tant que ça. C'est vrai que Yon Hong, depuis une ou deux saisons, j'ai l'impression que ça joue beaucoup plus en gunplay bruiser et c'est plus compliqué de la sortir dans les gameplay cliff CC à proprement parler. Après, avec Nefty, ça se joue toujours. Mais quand tu joues du Moore, tout ça, j'ai l'impression que c'est moins intéressant qu'avant. J'ai l'impression que c'était plus intéressant avant parce que sans setup, tu pouvais limite tuer quelque chose avec le multi plus Yonong. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu différent et que bah, il manque un petit peu de DIA. Du coup, il faut aller chercher un break death ou du coup un gameplay bruiser avec de la Yonong Sagar, Vanessa. J'ai tenté ce que je t'avais envoyé en début de saison. J'avais tenté la Kara, Adriana, Yonong, Sonya avec un lead. Ouais, mais tu te fais counter. Bah tu te fais pas mal counter, mais en soi, moi ce qui me manque en fait c'est surtout la Yon Hong où il manque des dégâts. Parce qu'en fait Sonya et Kara ils tuent, quoi qu'il arrive. Et la Yon Hong. Par contre la Yon Hong, s'il a pas de break def, et vu que tu lui donnes le tour généralement à Kara, ou à Sonya, enfin Sonya c'est rare mais plus Kara, et ben en fait derrière tu tues pas quoi avec la Yon Hong, donc c'est un peu chiant. Donc j'ai un peu abandonné ce gameplay, c'était plus for fun surtout. Alors du coup, attends, je vais les mettre au storage. Donc au final, on a eu que 2 nains de 5 en 700 V1 plus 800 V1. C'est un peu low. Ouais. Mais il y a de quoi faire encore. J'aime bien. On est optimiste. Ouais, il nous reste 6 V1, 10 tout attribut. On a les V1 des 10 ans. On a les VLD derrière. Ans. Les V1 des 10 ans. Ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller très très vite, ouais. Non, mais les tout attributs sur un malentendu. Je crois que moi j'ai eu Pontos, Yon Hong sur les tout attributs. Ah ouais, ça s'est fait régaler. Ça peut aller très vite. Bah c'est tout ce qu'on te souhaite. J'essaie encore de forcer mon light Gérald en ce moment, le perso mérite un petit buff. Ouais non, il est flingué tonton, en vrai de vrai, te jure, te prends pas la tête. Le mob va se faire buff, et le jour où il se fera buff, t'inquiète. Pour moi, je décèle un vrai potentiel dans ce mob, attends juste un petit buff, et je pense qu'il sera ravi. Et ça peut arriver le mois prochain, au prochain BP. Parce que c'est la famille qui s'est pas encore fait vraiment buff, si je ne m'abuse. En tout cas, pas suffisamment. Donc il y a vraiment moyen que ça arrive le mois prochain. Mais t'inquiète. En vrai, je pense que c'est le genre de mob qui risque de se faire buff. Je peux lancer une prédiction d'ores et déjà. Voilà. Vela tout attribut. Bon, il y en a 10. C'est parti, on peut choper une folie. Peut-être. Ouais. Peut-être. En vrai, tu peux enlever les rate up en vrai, je pense. Ouais, ça roule. Ouais. Hop là. Buff Mananan, il a dit. Plus que ça, honnêtement. En vrai, Mananan, c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien Méduse. Après, j'avoue, je préfère Tebaé à choisir dans la même catégorie. Mais. Ouais, en vrai, Mananan, bon. Bon. Ok, on se fait scam par les V1. Tirat 5, ce serait bien. Ah, mais c'est des V1 du scam, ceux-là, c'est trop dur d'avoir des trucs dedans, vraiment. Ah, je me suis déjà fait tellement scam au niveau visu avec les étincelles, là. Une fois, j'ai eu Jamir, je crois que c'était Shan. Pas Jamir, Malagmaron, je crois que c'était Shan.
Aïe. Tu penses quoi d'un ciment PVP? En vrai, c'est un bon last pick, en gros. C'est pas un mob vraiment... genre que tu vas jouer en première rotation, deuxième rota, c'est plutôt à last pick. Et c'est un bon mob, c'est juste qu'il y a pas mal de counters, c'est pour ça que tu joues en dernière rota en général. Mais c'est un très bon mob. Moi perso, si moi je l'ai, je suis content. Yo Daxel, comment tu vas? Allez, j'étais essentiel. Premier vilain tout attribut, j'ai une Nikki. Oh, Sylph, bon, Light, pardon. Bah, tu l'avais déjà. Oh, Odin Light. Ah, bah, le HOH. Ouais, bah, nice. Je les ai eu là. Voilà, j'ai pas récupéré tous les HOH que j'avais pas avec les. Avec la HOH, là, ça c'était pas mal. Ouais, c'est cool, hein, j'avoue. Moi, ça m'a régalé. J'ai Light encore pour siège. Pas mal. Ouh. Ouh. Quoi? Mais quoi? Oh my Ouh god! Oh là 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 là! Et la régalade! Oh, c'est voilà, pas c'est vrai. Une réussie! Mais bah oui, elle a réussi là! Mais quoi? Mais quoi? Voilà, Neftis, Talisman, tout droit! Hein. Talisman, Neftis, mais GG Wellpaid en fait! Mais quoi? Mais attends, mais. Je m'attendais pas du tout! il était là en train de me dire au début du stream! Oh, il faut que je rune ma Léa avec ma Adriana, tout ça, la la la. Voilà, la Léa, tu la fous au storage, je la joue jamais, là, c'est talisman et tous les jours. Bah oui, oui, elle joue jamais, oui, je te confirme. Ouais. Oh, et même en RT. Mais même en RT, hein. En RT, tu joues d'un Neftis, le mec ne. Mais tu joues un talisman qui est speed tuné à ta Neftis, le mec ne conteste pas la speed, tu one-shot tout le monde, en fait, tu le rases tout le monde. Ah bah les John Over Romance, ça va être à la poubelle, hein. Ah bah là, y'a plus besoin de jouer Tessarion, hein. Vrai. Et Tessarion, tu me saurais déjà si tu joues ça. Ouais, what the fuck. Wouah, j'ai plus envie de semaine. GG. C'est wow. Holy shit. Il n'y a pas assez de LD. Alors, bah du coup, les gars, la prédiction est validée, il y a eu un mob qui n'avait pas. Waouh, bon bah c'est bon, hein. j'ai fait ma part de mon contrat là, c'est bon. Ah bah ouais, clairement. Hein. Clairement. Wow. Attends, on va faire un petit truc. Bon bah, coucou YouTube. Coucou YouTube. Waouh, et bah dis donc. Prédit validé par LD, exactement. Bah je l'avais call, hein. Je l'avais call, pas de prédit LD. Pour moi, c'est possible qu'on l'a. Qu'on juste avec cette prédit-ci, on réussisse à faire la prédit LD quoi. Surtout que le compte est pas mal gifted pour le coup. Ah bah là, le compte il est fou là. Sachant que honnêtement, t'as eu vraiment. Je pense c'est un mob qui est extrêmement complémentaire avec tes LD que t'as actuellement. C'est ça qui est trop bien en fait. Ah ouais. Bah tous mes LD, je crois qu'il y en a. Ça marche pas mal du tout ensemble. Il y a au moins à chaque fois 2 ou 3 qui marchent bien ensemble. Et après, t'as les Yeager et Raoul qui sont un peu de côté. Mais le reste, c'est que du top tier quasiment. Donc. Franchement, non, c'est là, ça régale de ouf. Waouh. Tu vas lui mettre un petit Swift efficient, 70 d'autocrit, capé en autocrit. Ah non, 70 d'autocrit, pardon. Full dégâts, full patate, speed tune à ton Neftis, et boom en RT. Hein. Dès que le mec conteste pas le premier tour, tu lâches ça et c'est fini. Ils se font laver au premier tour. Allez hop, tiens. Pouah. Je t'aimais ça. Et voilà. Pour le LD. Merci pour le sub, merci beaucoup. Aïe aïe aïe, ça régale. Ça régale back. Chutty. Ok, maintenant que c'est fait, oh, tu méritais pas. En vrai, t'as déjà pas mal de LD, c'est quoi ça là? Le mec qui retourne sa veste. Oh, c'est trop grave. Bon, par contre, c'était pas mode wishlist, hein. Mais je pense que c'était pas mode wishlist, mais après, bon, ça reste sympa, hein, on va pas se mentir. Hein. Moi, je serais tellement content d'avoir. Ouais. Ça aurait été le dark, j'avoue que j'aurais pu un peu plus le thème, mais ça reste du LD donc on va pas se plaindre. Hein, mais là, en vrai, c'est incroyable. Hein. C'est free offense arène. En arène, t'as des offenses Exodia. Ouais. En siège, tu peux faire des. Tu peux faire des drafts avec Exodia aussi. En siège, tu peux faire une compo Exodia aussi pour one shot à l'open. Et en plus de ça, derrière, t'as la possibilité de la jouer à RTA quoi. Non, en vrai, le mob il est trop cool. Hein. Il est un peu sous-côté en vrai ce mob là, mais il est trop trop fun à jouer. Bon bah vas-y, on va faire la LD, mais je m'attends à pas grand chose. Forcément. On sait jamais. T'as été bien régalé. Un petit dans les petits 4 notes que je t'ai envoyé. Ouais, petite Bethany ou quoi, ouais, ce serait cool. Bethany, Martina et puis Iris, les trois, je crois qui m'ont. Oh, ETSL, j'ai très très peur. Le reste, j'ai tout.
Ok. Attends, ouais, ça me fait peur les deux tafels là. Cool 3, c'est notre LD. Faut pas abuser, il y en a déjà 30. Il y a 30 LD. Hein. Il y en a pas 300. Oh, Koetacel, wait. Attends. Oh, si tu l'avais. Non, je pense que tu l'avais déjà, sinon tu l'aurais mis dans ta wishlist 100%. Ouais. Ah, je l'ai déjà, je l'ai même en dupe. Ouais. Ah, du coup, c'est triple, du coup. C'est bien d'en avoir deux, mais au-delà, à part si tu fais du siège et que tu veux t'amuser en siège avec. Hein. Je le joue même pas. Ouais. En fait, en siège, je joue les trucs. Déjà, moi, j'ai des offenses très F2Play. Il y a des étincelles, là, par contre, encore une, hein. Attends, j'ai pas encore dessus, moi. Bah, nice, tu l'avais pas. Voilà, wishlist. Ah, tu l'as mis dans ta wishlist. Et B, ouais, carrément wishlist, ouais. Carrément wishlist. Nice. Ah, bah, nice. Il capte pas de wishlist. OP. Bah, écoute, attends, mais. Ah, c'est la nice. Régalade, la semaine. On n'a pas eu Mei Wang, dommage. Ouais, bah, ouais, dommage, mais. Pas de plainte. J'ai très peur de cliquer. Il reste quelques LD. Allez, après, si on doit foutre les... Encore. Ouais, une petite dernière. Stop SVP. Kowarski incoming. Oh ouais, Kowarski sur ce compte-là serait pas mal aussi, hein, à vous. Ouais, bon, y a pas mal de choses qui seraient pas mal. Ouais. Ok, y a pas d'étincelle, mais il reste des LD. Après, faut que je les foude. Ouais. Et je crois que j'avais laissé en plus des cristaux encore. Ah bah nice. De base moi déjà. Ah oui, j'avoue. On garde pas la deuxième Amelia. Non, tout en LD. Vas-y, moi j'aime bien quand tu me parles comme ça. On est là pour le content. Non mais déjà un nul, déjà c'est déjà bien parce que... Franchement c'est... Ouais. C'est huge. Il en reste 9, c'est parti. Allez. Une étincelle peut-être. Imagine. Imagine. Oh, étincelle, déjà. Non, attends. Oh non. Non, dommage, ok, bon. Back to back étincelle. J'ai trop peur là. Ok, en vrai, si tu l'avais pas, c'est cool, mais je pense que tu l'avais. Ouais, attends, tu l'avais. Dessus. Ah, je l'avais, ouais, je l'avais. Et beaucoup d'étincelles quand même, hein. Bah ouais, mais après, c'est mais de manière globale, il y a beaucoup d'étincelles. Ok, bon. Bah, fin de la semaine, guys. Bah, résumé, régaler quand même, ouais. Ah ouais, régaler. Bah, on a eu, en fait, en soi. Régaler. En soi, en fait, j'ai envie de te dire, heureusement qu'on l'a eu parce que on a rien d'autre. Parce qu'on a c'est vrai qu'il y a rien d'autre parce que le reste, c'était que des dupes et. Mais après j'attends honnêtement vu le peu d'LM qui me reste, je m'attendais pas à grand chose. Mais Mephisto ça reste bien et puis bah lui Talisman pas se plaindre hein. C'est franchement c'est derrière, en tout royal, cas. Hein. C'est royal. Franchement ça régale de ouf. Merci bah Tito. Écoute nice. Bah Doréa, je vais te rendre ton compte et laisser monter ça, ton petit jouet et t'amuser avec hein. Je pense que t'allais voilà. Être pas cook. Tu vas cuisiner un peu aujourd'hui. Ça compense un peu les réaps et puis les runes. Ouais, c'est ça. Là, j'ai quelques tafs à faire, mais non, il y a quoi de s'amuser fortement là. Ça va être top là. Pour potentiellement G2 peut-être. Ah, peut-être en vrai. En vrai, faut voir les runes, mais j'ai pas les switch, je pense, pour du G2. Faut voir pour les runes, mais ouais, pour les LD, ça en tout cas, tu les as pour faire un G2, même G3. Faut juste les runes. Je pense que c'est là que tu fais. Et puis les artés potentiellement. Les artés, ouais. Voilà. Les artés, beaucoup les artés. Je pense que ça, c'est vraiment ce qui me manque. Mais non, après le reste, on n'est pas si mal. Bah vas-y. Bah, merci. Bah nice. Bah de rien, je te rends ton compte et amuse-toi bien, hein, tu es chaud. Yes, ciao. Bon bah les gars, voilà.